Oui, Lactalis a bien été condamné pour avoir pollué les eaux de l'Isère. Mais ce jugement ne satisfait pas les parties civiles, même si les associations environnementales ont obtenu des dommages et intérêts. Elles estiment le montant de l'amende bien insuffisant. C'est une satisfaction dans le fait qu'il y a eu une condamnation, mais c'est une déception quand même dans le montant de l'amende. On aurait pensé que le tribunal allait suivre la réquisition du parquet et demander 500 000 euros d'amende. Depuis des années, l'étoile du Vercors à Saint-Just-de-Clé déverse des rejets directement dans l'Isère. Dans ses eaux usées, des déchets organiques, mais aussi des substances chimiques. Une pollution persistante, équivalente à celle d'une ville de 10 000 habitants. Cette filiale de Lactalis, qui produit des fromages, a toujours refusé de se raccorder sur la station d'épuration intercommunale, pourtant toute neuve. Elle veut créer sa propre station de nettoyage des eaux. Voilà pourquoi trois associations de protection de la nature et la fédération de pêche avaient attaqué le groupe en justice. La modicité des sommes, finalement, pourrait presque constituer, j'allais dire, une sorte de permis de polluer, puisque pendant des dizaines d'années, cette société a de manière peu scrupuleuse rejeté des déchets dans l'Isère, ce qui a été effectivement à l'origine beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions. Et puis, au terme d'une grande procédure, on se retrouve avec finalement 50 000 euros, des relaxes. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup d'amertume parce que le préjudice environnemental n'est toujours pas pris à sa juste mesure. D'autre part, un bras de fer oppose le groupe laitier et le maire de la commune depuis des années. Ce dernier, de Guerlas, vient d'annoncer qu'il allait accepter le permis de construire de Lactalis. Il voulait consulter les habitants sur ce dossier, mais la préfecture de l'Isère a interdit ce référendum. Comme si le petit village devait forcément céder devant le groupe multinational.